Putain, je me demande ce que c'est ça. Bah après ouais je peux rentrer mais je ne vais pas rentrer moi. Je ne veux pas avoir de problème. Amoutoug. Parce que là il y a un guichet mais il n'y a personne moi. Je me demande ce que c'est, pourquoi il y a autant de grilles. C'est très étrange. En tout cas ce parc. Oh, oh il y a un écureuil. Vous voyez ça? Mais wesh. Mais il y a. Ouais il y a deux écureuils. Mais wesh. Mon bébé. Alors, honnêtement. Cet endroit est très spécial. Moi. On dirait que c'est un ancien zoo en fait. Parce que ça ressemble vraiment à un zoo. Donc là on a un bail avec des très protégés. Et ça ressemble en fait à un zoo, mais un ancien zoo en fait. Il y a vraiment beaucoup, vous avez vu avec les écureuils, il y a aussi plein de petits oiseaux. Il y a des singes, il y a des varans malais. C'est très diversifié en termes de faune. Et c'est la première fois que je vois ce panneau, bro. C'est incroyable. Je vais vite partir, bro. Je ne vais pas rester ici, je vais vite partir. J'ai pas envie de mourir, bro. C'est incroyable ce panneau, frère. Il est fou quand même. Genre, en gros, tu rentres là, tu peux te faire shoot, quoi. C'est incroyable. Ok, donc. C'est les toilettes. Je vais retourner. Donc là, je suis à l'endroit où il y avait les singes. Et apparemment il y a un trail genre c'est une genre de randonnée dans la jungle et ça peut être sympa bon. Ça, c'est, ah d'accord, ah c'est des, je sais pas, je crois que c'est des salles pour prier. Donc là ils font des travaux. Attends, mais il n'y a pas de trail. Enfin, je vais faire le tour. Not entry here, exit only. Donc là, c'est seulement pour sortir. Ah, ok, ok. Donc là, je crois que ici, c'est un truc d'un kilomètre. Mais en fait, moi j'avoue, je m'en fous. Je veux juste voir des, je sais pas, des bails, genre. Des animaux stylés, tu vois. Genre des singes ou tout ça. Parce que là, je suis retourné à l'endroit où il y avait les singes tout à l'heure et il n'y a plus les singes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément le spot des singes. Peut-être qu'il y en a également dans la jungle. Donc, je vais explorer cette fucking jungle. Quoique, en vrai, j'ai la flemme. J'ai la flemme, bro. En fait, ça a pas l'air si fou que ça. Juste voir des singes, bro. Je sais pas si ça. J'arrive pas à reproduire le son. Oh là. What? Ah, il y a un écureuil ici. Est-ce que vous le voyez? Attends. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous voyez ce petit écureuil? Donc là, nous avons un écureuil. Ok. J'aimerais bien voir un serpent, mais j'aimerais pas qu'il m'agresse en fait, c'est juste ça. Donc là nous avons plusieurs chemins. Ah pff, franchement ça me saoule les chemins comme ça. De toute façon c'est des trucs touristiques et tout. Je crois que je vais tout simplement rebrousser chemin. En plus tu dois suivre le truc et tout. Ah oh. Attends. Ils disent qu'il y a des serpents. Attends. Il y a des serpents, des singes et des trucs qui peuvent tomber. Je vais aller voir par là actuellement. Donc faut être bien. Parce que les serpents ils sont vraiment très très bien camouflés. Donc faut être très attentif. C'est vraiment dur de voir des serpents. Surtout dans une jungle comme ça. Donc certainement que s'il y en a, il y a de très fortes chances que je les vois tout simplement pas avant. Et ils sont beaucoup dans les arbres, contrairement à ce qu'on peut penser. Ah, j'aimerais trop voir un serpent, ce serait épique. Mais bon, j'ai vraiment pas envie de me faire agresser par un serpent. Mais... logiquement, si on peut venir ici, c'est que c'est pas très dangereux. Bon.
Où sont les serpents là? Ils disent aussi qu'il y a des fruits qui peuvent nous tomber sur la tête. What the fuck, hein, putain de câble. C'est très très stylé. En fait, c'est quand on fait plus de bruit du tout qu'on entend des bruits. L'atmosphère est très pesante. Je sais pas comment expliquer, mais genre, tu te sens, je sais pas, bon, s'il y a des bruits qui t'écrasent le cerveau, frère. Attends, il y a des feuilles qui sont tombées. Non. Faut pas faire de bruit. Non. Ce qui est marrant, c'est que tu sais, derrière, tu vois des gros immeubles. Putain, mais c'est trop casse-couille leur putain de marche. J'ai entendu un bruit là. Oh! Ouais! Ah, c'est encore des écureuils. Je sais pas si on les a vus à la caméra. Ils sont sautés juste ici. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup d'écureuils. Il y a beaucoup d'écureuils. On entend des bruits, des cris, je sais pas ce que c'est. Oh, oui, oui, oui. Je vois, il y a plein d'écureuils. Oh, il y en a un là encore. Est-ce que vous les voyez? Il a l'air d'avoir beaucoup d'écureuils ici. Là-bas, il y en a. Si vous voyez là. Honnêtement, je sais pas parce qu'il y a le bail de la. Il y a un petit écureuil juste ici. Peut-être que c'est le garde-manger des serpents, je sais pas. C'est vrai que c'est la première fois que je vois des écureuils dans mon voyage. Mais ils sont très méfiants, ils sont très méfiants. Oh, regarde. Vous voyez juste ici, là? Est-ce que vous voyez le petit? Putain, je sais pas si. Oh. Il y en a juste un ici. Il descend. C'est quand même rare de voir des petits écureuils aussi près. Wow, ils sautent mon zinc. Ils sautent à peur. Il est où l'autre? Il est là. C'est un peu comme des petits singes encore plus furtifs. Donc là je crois que c'est la forêt des écureuils en fait. Plutôt la jungle des écureuils. Dis-moi, est-ce que vous préférez les singes ou les écureuils? Moi personnellement, je préfère les singes. Il y a un coq là. Mais attends, mais c'est quoi? Quelle jungle ça! Il y a des coqs, des écureuils, des singes, des serpents. On est où? C'est quoi ce bruit? On est où, putain de merde? Bon bah je crois que c'est la fin. Et j'aurais trouvé que des écureuils. Après je pense qu'évidemment ça dépend du moment où tu viens. Ça se trouve, je serais venu une heure après, j'aurais vu des serpents, tu vois. Ça dépend, c'est beaucoup de la chance. Mais c'est quoi qui fait ce bruit? Mais c'est pas l'écureuil qui fait ce bruit. Vous voyez l'écureuil là? Attends, bon, on voit pas d'ici. Mais je crois que c'est l'écureuil qui fait ce bruit.
Attends, il est où là? Ah putain, ah il est là. Ah ouais, mais c'est... Putain, je sais pas si moi je le vois, mais il est tellement bien camouflé que... Non, je crois qu'on le voit pas à la cam, mais... En fait, je crois que ça, c'est un bruit d'écureuil. Il fait... Ouais, c'est les écureuils qui font ce bruit là. Regardez, regardez, regardez. Oui. Ouais, là, là, on a vu là. Mais c'est dommage que les qualités. Parce que, en vrai, je pense qu'il y a très peu de caméras. Genre, faut avoir vraiment une grosse caméra hyper sophistiquée pour pouvoir, genre, faire des bons zooms bien nets, tu vois. Comme dans la vraie vie. Parce que quand il s'agit de filmer comme ça, tu vois, ça va. Mais pour faire des zooms, c'est pas ouf. J'ai hâte que les smartphones s'améliorent. Ouais, c'est les écureuils qui font ce bruit là. C'est incroyable. Est-ce que vous saviez que c'est les écureuils faisaient ce bruit là? Bah, moi je savais pas. Bon. Maintenant, pour ceux qui voient cette vidéo, maintenant vous serez. Bon. Ah, mais non, c'est pas fini en fait. Il reste du chemin. Mais je pense que c'est pas là qu'on va trouver des serpents. Mais wesh, où est-ce que ça m'emmène, bro? Je sais pas pourquoi j'ai la flemme de tout en ce moment, bro. En fait, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que genre j'ai pas d'énergie en fait. Et je pense que c'est la, ouais, c'est la chaleur et tout. Parce que hier j'ai bu quasiment que de l'eau. Aujourd'hui je vais boire que de l'eau, ou alors genre du lait ou du jus, tu vois. Mais parce que généralement, tout ce qui est soda et tout, ça te ramollit en fait. Après, tu vois, de temps en temps, c'est sympa, tu vois, mais si t'en prends tous les jours, ça va te ramollir en fait. Et donc, c'est pour ça, là, j'ai pas en prendre, mais bon, je pense que ça va rien changer en fait. Non, je pense que, ouais, les meilleurs trucs de boisson à boire pour être énergique, c'est, bah, du coup, pas de soda. Et genre de l'eau, je pense que c'est vraiment le mieux. Et après sinon des jus, comme ça te fait des vitamines et tout. Mais après généralement les jus que tu trouves genre dans les supermarchés, tu vois, c'est généralement des trucs qui se rapprochent plus du soda que du jus, tu vois, avec tout ce qu'ils foutent dedans, tu vois. Mais sinon un bon vrai jus en mode street food, genre un bon jus de mangue. Ah, dès que je rentrais en Thaïlande. Ah putain, donc toutes les toiles d'araignée que je me mange. Dès que je vais rentrer en Thaïlande, c'est la première chose que je vais faire, gros. C'est aller me prendre un fucking smoothie à la mangue. Parce que c'est vraiment épique, gros. C'est qu'il y a beaucoup de papillons, mais je sais pas où je suis, gros. Faut que je regarde. Est-ce que vous voyez? Et eux ils font peur, hein, parce que dès que tu passes à côté d'eux ils sursautent. Si vous voyez. Attends. Bon bah notre ami est encore là, bon. Il est en train de se gaver de vers de terre depuis tout à l'heure. Ça fait presque une heure, bro, que je suis parti. Il est encore au même endroit, c'est incroyable. Mais c'est incroyable quand même de voir ça. Et dites-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo là où j'étais en Malaisie, où j'en ai vu un énorme qui faisait presque la taille d'un humain, et bah lui, il est censé encore grandir. Après peut-être c'est des races différentes, tu vois. Peut-être ce que j'avais vu, c'était un dragon de Komodo. Peut-être lui c'est différent. Et après lui, bah en fait il y en a qui ont des couleurs différentes. Genre lui par exemple, je sais pas s'il est fait pour aller dans l'eau par exemple, tu vois. Contrairement à d'autres qui sont que dans l'eau. Lui, je sais pas, ça se trouve, il y a des races différentes. Donc là, il est en train de chercher en fait des vers de terre. Simplement, voilà, il a retourné toute la terre. Et c'est assez incroyable de voir ça de près comme ça. C'est fou quand même. Le man, il est là dans sa petite jungle. Tranquille quoi. Tranquille, avec sa langue. Bon, je vais prendre des risques un peu.
pourquoi pas faire une petite miniature sympathique. Bon. Yo my boy. Est-ce que ça rend stylé ou pas pour une miniature? Incroyable. Non, vas-y. Je vais pas faire le fou. Je vais pas faire le fou, je me casse. Ah ouais, mais en fait, le man, c'est un fou. Regardez, tout ça, je pense que c'est lui qui l'a... Bah, c'est sûr, en fait, c'est lui qui a retourné tout ça, bro. Tout ça. Ah, mais d'accord, en fait, quand je l'avais vu, je crois que je l'avais vu... Ah, mais oui. Je l'avais vu ici. C'est-à-dire, depuis tout à l'heure, il est allé tout là-bas, il a retourné le sol ici. C'est incroyable. Le man a faim. Le man a très faim, bro.